mardi 26 mai 2020 et je suis en balade aujourd'hui au-dessus de Fumet, vers les ternes d'Hivermont, les bois alentours. Bon, c'est une bien belle balade aussi. Là. On est parti pour quelques heures de marche. Alors, je ne sais ce qu'est cet endroit-là. Bon, il y avait des grilles, hein, c'est une ancienne propriété privée. Il y avait une maison. Hein. Ah, ça devait être super joli. Hein. Je ne sais pas ce que c'était. Alors dans le coin, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ardoises. Hein. C'était peut-être l'entrée d'une ardoisière, qui sait. Je suppose d'ailleurs que c'était une ardoisière parce que quand je vois l'ouvrage, là, il y a pas mal d'ardoises. Hein. Avec un joli petit portail, vous voyez. On entend chanter les petits oiseaux. Mais avec 25 à 27 degrés à l'extérieur, on apprécie la fraîcheur d'un sous-bois. Hein. Alors là, j'étais sur les hauteurs, dans une sapinière. Là, hein. Et puis, visiblement, le sentier continue par là. En redescendant, donc on va découvrir ensemble. Alors là, je tombe sur un bien joli petit sentier avec des racines en travers, mais bien ombragé, un peu étroit. Tout ce que j'aime. Oui, il y a un petit peu de vent hein, en même temps, c'est agréable. Hein. Un espèce de petit pont là. Alors je suis passé au-dessus du petit pont en dessous duquel il n'y avait pas d'eau. Et je fais quoi, 20 mètres, et là il y a de l'eau là, il y a de l'eau là qui vient des bois et qui part par là vers le fond de la vallée là. Ça ne coule pas abondamment, mais ça coule quand même hein. Malgré la sécheresse hein. C'est bien sec là. Vous voyez que le chemin est bien sec, hein, la terre est. Oh, les oiseaux. Ça me fait directement changer de conversation. Écoutez ça. Là, on rencontre des blocs comme ça, c'est sympathique, des blocs de pierre en pleine forêt. Visiblement, j'entre dans ce que j'appelle un canyon de verdure entre deux talus, c'est sympa quoi. On est bien à l'abri là quand il y a du vent. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est vraiment splendide, hein. Formidable. Un beau coin à côté de chez moi que je ne connaissais pas. Les amis, je viens de découvrir un beau petit abri. Pour dormir dans les bois, il y a tout ce qu'il faut, il y a des branchages, il y a tout, il y a cette profondeur pour s'y coucher. Il suffit de rajouter quelques branchages, un peu de mousse. C'est au poil hein. Eh ben, c'est l'air de la belle pomme rouge. De la belle pomme rouge. Ça changera un peu du citron hein, les copains. Voilà. Merde, ça y est déjà, tu vois. De main gauche, pas de pouce, c'est ce que je te disais. Bon enfin, on va pas
Mais boucher le trou du, hein? Bah. On a encore fait une belle balade, hein. Comme d'habitude. Un coin splendide, vraiment. Dans les Ardennes, hein. Voilà. La fin de la balade. Un peu plus de 4 heures avant le retour. Et puis voilà. Très bien.